Bah oui, tout s'est bien passé, je voulais vraiment bien courir. Il y a ma copine Léa qui a couru juste avant un énorme chrono, ça m'a vraiment boosté quoi. Je me suis dit ah, la piste elle est vraiment bien, faut y aller avec Léa maintenant, il faut te mettre les gaz et puis y aller parce que tu peux faire vraiment un bon chrono. Donc je voulais courir en dessous des 13, chose faite, donc je suis vraiment très très contente. Oui, j'étais au départ, j'étais au 100 mètres là et je les ai vus passer comme des fusées, après j'ai vu le chrono, c'est juste incroyable. Donc vraiment, ça a vraiment mis un coup de boost, un coup de « Ah si, je peux aussi faire un bon truc ici ». Donc je suis vraiment très très contente et puis ça m'a vraiment boosté. Oui, c'est vrai que cette semaine était un peu difficile au niveau des entraînements parce que fallait se remettre dans le bain après un exploit, c'est toujours un peu difficile. Donc du coup, là je suis vraiment très très contente d'avoir pu courir en dessous des 13, même si mes entraînements ne sont pas bien passés cette semaine. Alors là, j'espère que j'ai quelques jours de pause, mais ça m'étonnerait. Et puis après, bah, c'est à nous de la préparation. Je vais aller à Ténéro avec notamment le relais et mon groupe d'entraînement pour préparer Rio. Puis après, ça va être déjà le départ, début août. Donc ça va vite. Et puis ben, après, ça sera sur place, prendre la température et puis bien s'entraîner. Et puis lâcher les chevaux le jour J.